Au début des années 60, les salles de cinéma étaient les points de convergence des cinéphiles. Aujourd'hui, le constat est amer. Presque toutes les grandes salles sont vendues ou fermées depuis le milieu des années 90. Avec l'avènement des nouvelles technologies, le cinéma se consomme aujourd'hui au bureau, en famille ou entre amis. Très souvent, les passe-temps avec la famille, c'est autour de la télé, on regarde des films ensemble. C'est évident que souvent, ce n'est pas les mêmes genres que nous regardons ensemble, mais très souvent, il y a des films que nous tous, assis ensemble, on regarde. Se rendre au cinéma, ce n'est pas le loisir le plus partagé ici. Généralement, je ne suis jamais allé au cinéma. Généralement, avec des amis, nous venons presque chaque soir pour nous distraire avec ces films-là. Avec une clé USB, on télécharge ces films via l'Internet. Le Babemba est l'une des rares salles de cinéma qui a pu résister jusque-là. Il reste la seule salle à assurer une programmation régulière de films pour les rares cinéphiles de la capitale. Babemba ouvrait en 2002. Donc il y a des salles qui avaient fermé il y a plus de 20 ans. Donc il y avait des jeunes vraiment qui ont 15 ans, qui n'ont jamais mis pied dans une salle de cinéma. Mais comment faire comprendre à la personne maintenant que non, regarder un film sur les grands écrans n'est jamais la même chose que regarder un film sur les petits écrans. Tu dis non, j'ai les films, je l'ai déjà regardé à la maison. On le dit clairement, donc si vous voulez, venez, on vous donne un ticket gratuit. Vous allez regarder les films. Après les films, maintenant, on en parle. On a une salle de 791 places, une salle de 180 mercredi, jeudi et dimanche. On n'ouvre que la petite salle parce qu'il n'y a pas d'affluence au fait. Selon le réalisateur et ancien ministre de la Culture, le cinéma malien se porte très mal et les nouvelles technologies ont bousculé les habitudes de consommation du cinéma au Mali. Le cinéma malien se fait un film de long métrage par an, deux séries télévisées par an, et quelques films documentaires. Donc après 55 ans de cinéma, ce n'est pas rose. Donc, les films ne sont vus qu'avec les télévisions. Donc, et puis avec le système de piratage. Les films sont piratés. Et aujourd'hui, avec le numérique, les gens peuvent voir les films dans leur salon et puis sur leur téléphone mobile. Le numérique a bouleversé les habitudes de consommation, permettant avec beaucoup plus de facilité l'acquisition de films, de sons, d'images et enlevant la possibilité pour les producteurs de bénéficier de leur production, de leurs films. Promoteurs de salles de cinéma et cinéastes se battent de nos jours en nourrissant l'espoir de revoir les cinéphiles maliens reprendre les chemins du cinéma et pouvoir vivre de leur activité.